Allez, moi je mets une pièce sur Romain Dioff devant. Allez Romain. Et c'est parti avec un très bon départ de Vivien Gonnet. Vivien Gonnet qui va faire le all-shot. Colomban, Gioffre, oula, Sylvain Dabert qui passe de à la reprise. Ah non, mais c'est Gonnet. Gonnet qui est à quelques encablures maintenant d'un deuxième titre consécutif dans cette AMV Cup. Et attention Vivien, oh là, regardez un peu la vitesse là de Lux Varna, numéro 4 de Vivien Gonnet dans ce premier tour. Ouais. C'est terrible. C'est terrible ce qu'il est en train de faire, le pilote de Briançon. Il a atomisé tout le monde au départ. Et là, il n'y a que Julien Colomban qui est en train d'essayer de s'accrocher. De même que Sylvain Dabert aussi, me semble-t-il. Romain Gioffre, qui est troisième pour l'instant. Il va falloir l'encourager, les Clermontois, là, Romain Gioffre. Hein. C'est pas Romain c'est qui pas est troisième. Non, il est 5. Ah, il remonte. Alors, attends, c'est Colomban, alors. Donc, c'est pas Colomban. Ben si, c'est Julien Colomban qui est 2. Loïc Minaudier qui était 2. Ouais, c'est ça. Ouais, il s'est fait dépasser par Sylvain Dabert. Donc pour l'instant, on a Gonnet, Colomban, Dabert, Minaudier, Gioffre. Gioffre simplement cinquième, attention. Hein. Ouais. Gioffre, Maliche, Martinez, Duvert, Wanchang, Ligon, Brancy, Pansière, Ballard, Fine, Cartier et le petit frère Nicolas qui ferme la marche pour l'instant. Et voilà notre pilote de Pau qui passe à l'instant même devant nous, Cavalieri. Allez, on va suivre la remontée de Romain Gioffre parce que là, c'est la troisième place du général, vraiment du trophée là, qui est en jeu. Et ça commence à partir devant. Il faut l'encourager, Romain. Il faut qu'il revienne en contact. Le 63. Allez, Romain. Pour l'instant, Vivien Gonnet a fait le plus difficile. Il est parti devant. Il maîtrise parfaitement la situation. Il claque le record du tour, tour après tour. Et derrière, on a une super bagarre entre Colomban et Dabert. Allez, c'est bon. Ça va passer pour Romain. Au freinage, ça passe. Allez, Romain. Romain qui gagne une place. Oh là là, il fait une erreur. Aïe. C'est chaud, là. Ah, c'est pas chaud. On va voir si Sylvain arrive à remonter sur Colomban. Oh, Sylvain, c'est maxi-attaque. C'est pas chaud. C'est bouillant et je ne vous vois pas encourager les pilotes quand ils passent devant vous. Allez. Ah, il faut les encourager, nos pilotes de la MV Cup. Ils vont venir vous saluer après là-bas vers les barrières. Vous allez voir un peu dans les talus, ça va chauffer là après à la fin. Allez, Vivien, allez. Vivien Gonnet en tête. Oui, Sylvain Dabert qui est revenu. Sylvain Dabert, deuxième. Ah, c'est ce que je disais, tu vois. Ouais, Sylvain Dabert, plus ça va, mieux ça va pour le grand recordman de victoire. Il est là, Sylvain Dabert, avec Julien Colomban à quelques dixièmes de seconde. Et voilà Romain Gioffre. Ouais. Allez, les Clermontois, il faut l'encourager, le 63. Allez, Romain, il est passé. Romain Gioffre, il est là. Ensuite, on va retrouver Minaudier. Et pour Minaudier, il fait une course magnifique. Oh là là, regarde Sylvain. Ah ouais, mais Sylvain, il prend. Ah, mais dans la courbe à droite après le départ, c'est impressionnant. Alors pour l'instant, Vivien Gonnet qui se retourne. Oui, ça va, ça se en se disant, bon, ça va, j'ai presque 2,5 secondes d'avance, je vais pouvoir gérer parce que nous sommes passés à mi-course déjà. Et donc, il va essayer de gérer les derniers tours pour aller chercher ce titre, le deuxième titre consécutif pour Vivien Gonnet qui a mis du temps à aller les chercher ses victoires, mais maintenant. Il ne les lâche plus. Le recordman absolu des victoires cette saison, Vivien Gonnet et son Lux Varna numéro 4. Et derrière, entre Dabert et Colomban, il y a un petit peu d'écart. Il y a une seconde pratiquement. Gioffre maintenant est à 5 secondes à la quatrième place. On retrouve Gioffre qui est là. Il est où Minaudier? Il est tombé? Non, il est passé 7e. Il a dû faire une ouais, petite erreur. Faire, une erreur Martinez 8, Duvert 9, Wanchang 10, Ligon 11, Brancy, Pantière. Fine, Cartier, Valavala et Cavalerie. Allez, il va rester. C'est sympa, Valavala. Valavala. C'est sympa. On a encore deux tours. Encore deux tours. Ce tour-là, plus le dernier, pour l'instant. Et il remonte, Sylvain. Allez, Sylvain, allez. Il revient. Et il a claqué le record du cours, 44-4. Il est pour Sylvain Dabert. Il est surexcité, magnifique. Il est à l'équerre de partout. Ah ouais, ce pilotage extraordinaire. Voilà, nous rentrons dans le dernier tour. Ah, il n'aura jamais lâché l'affaire. Ah non, il lâche pas l'affaire, mais il est quand même à une seconde et quelques centièmes. Regarde le passage là-bas dans la descente. Il est impressionnant. Alors, il ne lâche pas l'affaire, mais allez chercher. Regarde, glisse de partout. Allez chercher Vivien Gonnet devant. Ouais, ça va être compliqué quand même. Il reste trois virages. Ah, ça serait trop beau quand dans même. Dans cette AMV Cup 2022. Trois virages maintenant pour aller chercher le titre pour Vivien Gonnet. Il est toujours en tête. Il n'a plus le record du tour puisque c'est Sylvain Dabert qui ne lui a choupé tout à l'heure. Et voilà les deux hommes de tête qui vont rentrer dans les deux Sylvain, derniers virages. Il est là, Sylvain. Ah non, il ne peut pas passer là. Non, ça ne va pas le faire. Ça va être compliqué. Allez, à l'intérieur, Sylvain. Ah non, il va fermer la porte. Il est tombé, Sylvain. Il est tombé sans gravité. C'est pas mérité. Et Vivien Gonnet qui s'impose. Et là, je compte sur vous. Ah, c'est pas mérité. Ah non, c'est pas mérité. Colomban qui prend la deuxième place. Gioffre 4, 3e. Donc la troisième place du général. Il sera sur le podium. Ah, oui. Et Sylvain Dabert, est-ce qu'il va réussir à finir 4e? Non, il y a Gioffre d'abord, il y a Minaudier, il y a Maliche, il y a Martinez. Dommage. Dabert, Duvert, Wanchang, Nigon,
Et il est reparti, le voilà. Oh, malheureux, 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 Sylvain Dabert. Sylvain, super, vraiment. On peut l'applaudir, hein, il va terminer 13e. Allez, c'est chaud là maintenant. Allez, public, allez, super baisse. Allez, là, c'est bon. En plus, il n'y a pas de neige, ils vont pouvoir faire de l'enduro, on est bien là. Oui, ouais, mais enfin bon, attention au câble quand même. Non, mais c'est pas grave, c'est fini. Non, non, il reste encore, il reste encore 3 finales, hein, donc... Attention de ne pas couper les câbles, mais c'est la tradition, c'est vrai, dans le dernier tour, d'aller un petit peu saluer le public. Ah, génial. Là où tout est né. Et le public, je vous entends pas. Est-ce que vous êtes là, Super Bess? Allez, on va déclencher. Bah voilà, quand même. On va déclencher une Ola. Allez. Allez, la Ola. La Ola, elle est partie du côté gauche.